Et la bataille contre les pesticides, la bataille et ses surprises. Officiellement, elle est sans merci, cette bataille, y compris dans nos jardins particuliers. Mais qu'y a-t-il vraiment derrière les grandes déclarations? Il y a quelques mois, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, annonçait l'interdiction de la vente en libre service aux particuliers des désherbants contenant du glyphosate, le fameux Roundup, une restriction qui devait prendre effet au 1er janvier. Les actes ont-ils vraiment suivi les paroles? L'œil du 20h avec Cyril Za, Luc Lacroix et Christophe Vignal. C'est le film d'une ministre qui fait le ménage au rayon désherbant d'une jardinerie. Dans ces désherbants, une molécule dangereuse, le glyphosate, que Ségolène Royal veut bannir des rayons. Au 1er janvier 2016, là, ces ventes de produits seront interdites. Ça fait longtemps, en plus, que l'on sait qu'ils sont nocifs. Alors, promesse tenue, pas si simple. Dans la ligne de mire de la ministre, un des produits leaders du marché. Sur le site internet de la firme qui le fabrique, ce désherbant est toujours disponible. Mieux, on vous en indique les points de vente. Bizarre, très bizarre, car il y a quelques jours sur France Inter, Ségolène Royal le répétait. J'ai fait retirer de la vente, vous savez, des jardineries, la vente en direct du Roundup, qui est un pesticide extrêmement violent. Alors, interdit ou pas interdit? En banlieue parisienne, nous nous sommes rendus en caméra cachée dans ce magasin spécialisé. Au rayon des herbants, les produits au glyphosate ont pris racine, comme nous le confirme un vendeur. C'est toujours pas interdit, je vais pas me faire... Dès qu'on aura, nous, l'interdiction, il n'y en aura plus dans les rayons. Pas interdit ici et là non plus. Dans cet autre magasin parisien, les désherbants sont toujours en rayon, alignés, en rang d'oignon. Et dans la jardinerie où Ségolène Royal avait fait le ménage. On trouve encore ce genre de produits? Eh bien, depuis le passage de la ministre, ils ont été repoussés. Derrière ce comptoir, plus de vente en rayon donc, il faut s'adresser à un vendeur. Et ça devait pas être interdit, le Roundup, etc. Ça va être interdit. 2019, c'est terminé. 2019, c'est terminé. Ouais. 2019, ce n'était pas 2016 l'interdiction. Bilan de notre tournée, sur 10 magasins contactés, 7 vendent encore ces désherbants. Alors, qu'en pense la ministre? D'abord, c'est bien dommage qu'on puisse encore acheter du Roundup, parce qu'effectivement, j'avais prévu la date du 1er janvier 2016. Bon, les parlementaires ont aussi une marge de manœuvre. Ce sont donc les parlementaires qui ont voté pour repousser l'interdiction. Bon, nous, on avait compris que c'était une interdiction totale dès le mois de juin. Mais j'aurais bien voulu, figurez-vous. Voilà. Il faut continuer. Eh bien, je compte sur les consommateurs pour que l'interdiction effective soit en fait effective dans les faits. En clair, l'interdiction totale dans les jardineries, c'est donc pour 2019. Mais pour les agriculteurs, pas de date officielle. Ce sont pourtant les plus gros utilisateurs de ces produits.